Amateur de rock français, trader, infirmier, gestionnaire, routier, l'heure est venue de réajuster les valeurs. Je répète, réajuster les valeurs. Vous écoutez l'appel de Barcelone, Jérôme Coudane au microphone, un déconfiné parle au déconfiné. Aujourd'hui en entrevue, Frad et Chaka Ponk, nous irons prendre des nouvelles de l'écrivain Arnaud Le Guilcher. Et je vous interpréterai un acoustique d'une chanson de Vertige. Mais tout de suite, pour commencer, vous me permettrez d'insister, l'heure doit être réservée au changement de valeur. Quoi de mieux alors à écouter qu'une chanson de Michel Clou, ancien chanteur du groupe culte Diabologum. La classe ouvrière s'est enfuie pour vous dans l'appel de Barcelone. On est venu vous voir avec les enfants, on a amené des fleurs, ils les ont arrosées. Une fois n'est pas coutume, je n'ai pas pleuré. On s'est recueilli, on a aussi beaucoup parlé. Comment c'était pour moi à leur âge, comment c'était pour vous surtout. Le travail, la famille, les amis, ce que vous m'avez appris, ce qui m'a construit. Vous ne pouvez pas voir ce qu'il se passe ici en ce moment. Votre absence vous en épargne et j'aime autant. La classe ouvrière s'est enfuie. 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 J'ai rencontré cet homme âgé qui travaille toujours à l'usine. Il m'a dit, tu sais, il reste encore des ouvriers, mais il n'y a plus beaucoup de classe. Tout en haut et en bas, plus aucun sentiment d'appartenance. Ils nous ont tous peu à peu laminés. Il reste encore des ouvriers, mais plus grand chose de nos valeurs. On a toujours tenu la barre, on s'est toujours serré les coudes. Ils parlent de fermer la boutique, mais tu sais, cette faillite n'est pas économique. Elle est humaine. Cette faillite n'est pas économique. Elle est humaine. La classe ouvrière s'est enfuie. 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 L'appel de Barcelone, dans un instant le groupe rémois Bewitch Hands, qui fut, avant sa séparation, sollicité par le label de Seattle Sub Pop. C'est sans doute l'un de mes concerts préférés des années 2010, mais juste avant ça, Hippolyte Girardot et Jean-Luc Godard ont quelque chose à nous dire. Ça vous amuse de faire chier le monde, hein, c'est ça? Eh, hey, dis donc toi, t'as une grande gueule, tu vas vite la fermer, hein? Ouais, je vais la fermer, putain, j'en ai ras le cul, moi, de me faire arrêter. J'ai pas de travail, j'ai pas de maison, j'ai une bagnole pourrie. Je vais passer par derrière comme un con, putain, je me fais arrêter toutes les 10 minutes. Mais merde, c'est pas nous les bandits, nous on est des nuls, putain. Laissez-nous tranquille 5 minutes, on en chie assez comme ça, putain, merde. Quelle bande d'ordures, hein, ces jeunes. Ils ont pas inventé la cigarette, pas le blue jean, rien. Ils ont inventé le chômage. Pas vraiment, en tout cas ils l'ont pas cherché. Faut chercher, hein. Van Gogh a cherché un peu de jaune. Quand le soleil a disparu, faut chercher, mon vieux. Faut chercher. Life is so cool. My broken heart is out of my head. Feels like a fool. My broken heart is out of my head. I'm coming like a hero.
écouter l'appel de Barcelone. Tout de suite, l'appel à un ami. Je suis allé prendre des nouvelles de l'un de mes écrivains français favoris, Arnaud Le Guilcher, que j'ai rencontré pour la première fois il y a bien longtemps, lorsqu'il travaillait encore en tant que chef de projet pour la maison de disques Barclay. Il fait face lui aussi à une situation étrange et nous décrit le Paris angoissé pré-confinement. Tu passes pas en commun, c'est affreux, quoi, parce que c'est super anxiogène. Tu sais qu'il y a une saleté dans l'air. Tu te retrouves à 4 par mètre carré. Et tu te dis, putain, s'il y en a un qui est malade, allez, gars, on va pas être copains, quoi. C'est très, très chiant. Et du coup, t'as tout de suite une suspicion générale, tout le monde sur lui, que dès que t'as un mec qui est éternu, c'est la panique attaque. C'est vraiment chiant, quoi. Puis que t'as beau faire pour te raisonner et tout, c'est quand même impossible de penser à la légère, notamment dans une ville aussi blindée que Paris. Le confinement a-t-il eu une influence sur sa créativité? Ah bah, moi, j'écris et puis j'ai fini une première version. Je vais le rendre le 30 avril, en fait, je vais le rendre le 15 mai. Par contre, après, j'ai pas un moment de répit parce que dès que j'ai une pause, bah, c'est pour m'occuper de ma fille. Et du coup, c'est de 7h30 du mat jusqu'à 23h non-stop. Comment envisage-t-il le monde de l'après-coronavirus? Je pense que ce qui peut arriver de pire, c'est la déception. Parce que là, il y a beaucoup de gens qui commencent à créer un espoir, un optimisme un peu sur un renouveau, sur un changement de cap, sur je sais pas quoi. Et j'ai peur que la déception, si elle arrive, soit énorme. Ouais. Ça peut vraiment être terrible. Quelle leçon peut-on d'ores et déjà tirer de la situation actuelle? C'est super d'ailleurs l'espèce d'ironie de l'histoire, comment tous les gilets jaunes sont devenus de pestiférés, c'est devenu des mecs qui tiennent la nation, quoi. C'est quand même juste une espèce de retour de bâton complètement dingue. On se retrouve à applaudir des caissières et des boueurs, tu te dis, bah ouais, quoi, les gars, c'est un peu le moment d'y aller, quoi. Après toutes ces années à travailler aux côtés de musiciens aussi prestigieux que Dionysos, Noir Désir ou Ginzou, j'étais curieux de connaître le nom de celui avec lequel Arnaud avait préféré travailler. Il y en a un qui a marqué ma vie, mais après c'était le souci, parce qu'humainement c'était très puissant, c'était travailler avec Bachung, c'était dingue. En plus, ces dernières années, c'était quelque chose de très, très 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 émouvant. Le mec était sidérant de talent, humainement c'était super. C'était vraiment parfait, quoi. Mais j'ai appris mille trucs en travaillant avec lui. Musicalement, il m'a ouvert à plein d'horizons que j'ignorais. Enfin, c'était culturellement, humainement, enfin, c'était génial. Arnaud a-t-il une recommandation à nous faire? J'adore Flavien Berger. La fête noire, cette espèce de rime de basse, là, même un peu second degré, où tu sens qu'il se fout un peu de la gueule de plein de gens. C'est quand même vachement bien branlé. Je trouve que le mec a un talent dingue. Plonge à l'envers, attiré par l'extase. Un tourbillon vert illumine les sirènes. Le reflet des flambeaux dans du vomi turquoise. Le plus beau des voyages, c'est la fête foraine. Le plus beau des voyages, c'est la fête foraine. Oh, la fête foraine. S'est envolé, traçant un arc dans la nuit, de la couleur des opiacés. Sous la voûte, je m'évanouis, j'extirpe ma tête hors de nos jeux dans lesquels je me crois mort. Je suis seul avec l'or de l'eau, sous la surface de l'aurore. Je quitte le va-et-vient des âmes, de l'autre côté du plongeoir. Du vacarme d'une fête foraine, d'une fête foraine devenue noire. La fête noire,
promise, chose due, voici l'heure de l'acoustique venue. Je vais tenter de vous jouer un morceau de Vertige, duo composé de Robin Fex et de moi-même. Cette chanson s'appelle Conduire. Soyez indulgents. Ok. Merveilleux, la nuit est bleutée, dispendieux, le prix à payer. Mais tous deux, nous conduisons masqués, la nuit sous acide, Sardou est un dieu. Et c'est un bon moment, bon moment, bon moment pour oublier les populistes. Et c'est un bon moment, bon moment, bon moment pour les ignorer un peu. Merveilleux, la nuit est sublime, je m'endors tranquille, la ville est en feu. Et c'est un bon moment, les populistes. Et c'est un bon moment, bon moment, bon moment pour les ignorer un peu. Nous avons le vin mauvais, là-bas dans le vent brûlé, nous n'avons que des regrets. Nous avons le vin mauvais, là-bas dans le vent brûlé, nous n'avons aucun regret. Nous n'avons que des secrets, là-bas dans le vent mauvais, nous n'avons que des regrets. Nous n'avons que des secrets là-bas dans le vent mauvais, nous n'avons aucun regret. Ok, on enchaîne. Écoute, je vais te dire un truc, Jérôme. Le rock'n'roll est mort. Mais c'est pas vrai. Le rock'n'roll n'est pas mort pour ceux qui sont rock et qui sont pas mort. Tu comprends? Ça caille, non? Tout de suite, rock français mort ou vif, une série d'entretiens réalisés par mon ami Thomas Cossé et par moi-même. Cette fois, nous sommes allés à la rencontre des Chaka Ponk dans leur studio parisien. On était curieux de les rencontrer pour deux raisons principales. D'une part, parce que c'est un groupe de français qui fait du rock, mais qui chante en anglais et qui donnait un point de vue et un éclairage différent à ce qu'ils considèrent être le rock français. Et d'autre part, parce que Chaka Ponk est sans doute le plus gros groupe de rock de ces 10 dernières années en France. Et à cet égard, il était intéressant de les entendre parler de l'évolution technologique de la musique et de la difficulté à être un groupe de rock. Et puis mes vieux amis et moi avons un lien particulier avec Chaka Ponk, puisque leur guitariste Cyril habitait le bâtiment à côté d'une autre lorsque nous étions petits à Bois d'Arcy. Il avait accompagné notre guitariste pour l'achat de sa première guitare pour notre premier groupe. Il était de la génération au-dessus, il se souvient sans doute pas de nous. Je vous laisse avec Froid et Chaka Ponk. C'est pas la France qui a inventé le rock. C'est-à-dire que la première fois que le rock est arrivé ici, c'est des mecs comme Dick Rivers qui copiaient Presley avec les mêmes morceaux que Presley sans en composer et en les chantant en français. Commencez par ça quand même. Et regarde un peu, celle qui vient, c'est la plus belle de tout le quartier. Et comme ça a commencé comme ça, forcément tout ce qui est créé ici est forcément une espèce de version de ce que les mecs qui l'ont inventé font très bien. Mais il y a eu Noir Désir, à un moment où il y a eu cette espèce de variété rock, poétrie rock, qui a donné un truc, là je trouve, il y a eu un truc un peu inventé. Que nous, on voulait faire du rock qui sonnait comme Aerosmith ou... toujours pas réussi, mais... mais qui sonnait comme les trucs qui nous faisaient rêver. Et ce qui nous a encore plus encouragés à le faire, c'est que tout le monde nous disait, tout le monde,
mais vous êtes malades les gars, faut pas faire ça ici, vous avez aucune chance que ça marche. Et puis on n'a pas besoin de ça, on en a plein des groupes qu'on trouve super qui sont faits aux États-Unis, en Angleterre. Nous ce qu'on veut en France c'est entendre du franco-français et on n'a pas besoin d'autres groupes qui fassent ça. Donc ça nous a donné envie encore plus de le faire. Moment où on entendait beaucoup les histoires de quotas, donc c'était même pas envisageable d'avoir un succès ou des radios en anglais, enfin c'était très compliqué ici. Et puis en fait c'est passé, on a forcé un peu le truc. Alors après il y a eu les skips de Youse, Izia, enfin pas après mais en même temps il y a eu tout ce mouvement de on s'en fout, on chante en anglais, c'est ça qui nous parle. D'un seul coup, je me rappelle, c'était assez étonnant puisqu'on allait dans des maisons de disques où les mecs disaient est-ce que vous pouvez chanter en anglais, demander à des artistes qui venaient, puis vous pouvez pas le faire en anglais votre truc, alors que ça faisait 45 ans qu'à chaque fois que t'arrivais en anglais avec ta maquette, ils disaient non, faut le faire en français. Je me rappelle très bien de l'époque. Stromae est arrivé, il a fait un carton monumental avec une musique et une qualité de composition qui était quand même au-dessus de tout le reste. Rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous sûrement au prochain rêve. Et là, ça a été re-français dans tous les sens et c'est redevenu un quasiment impossible pour des artistes qui ont envie de s'exprimer en anglais, de le faire ici. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Chaque missive la vois-je. Non, je pense que si Indochine arrivait maintenant et téléphone aussi, je suis même pas sûr que quelqu'un voudrait les signer. Et je pense que ce qu'ils ont, leur, alors déjà ils font de la bonne cam, c'est-à-dire que s'ils en sont là, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui adhèrent. Et en plus, je pense que là ils sortent sur un truc de nostalgie, c'est-à-dire qu'il y avait quand même énormément de monde encore vivant qui n'avait quasiment que ça à écouter à l'époque. Sur les radios, c'était eux qui passaient tout le temps et ça leur rappelle plein de bonnes choses. Parle de musique, je pense que la French Touch rock française, il a pas la vitrine pour se montrer. Et il s'est passé quand même un truc aussi qui est assez déterminant dans les dernières années, c'est que la musique est devenue hyper plus facile à faire avec des machines. Et faire un groupe de rock, c'est compliqué. C'est des mecs qui doivent bien s'entendre, c'est plein de mecs ensemble, qui composent ensemble, qui écrivent ensemble, qui répètent ensemble, ils doivent savoir jouer d'un instrument, il faut que ça matche ensemble, il faut que le son se crée. Et c'est pas avec des machines, c'est en répétant beaucoup, beaucoup. Et puis souvent, ça se casse la gueule avant d'être vraiment... C'est très compliqué, c'est avant d'arriver à avoir un truc qui sonne avec un groupe solide, qui a écrit des choses et qui les a enregistrées. Tu passes beaucoup beaucoup de temps. Maintenant, avec les possibilités qu'on a de faire de la musique, des milliers de mecs tout seuls peuvent, avec du talent, hein, faire de la musique avec un son donc qui ne sera pas rock, mais qui sera la pop urbaine ou le rap ou la variété de maintenant, peut sortir beaucoup plus de matière qu'un groupe de rock. Et donc les maisons de disques prennent ces artistes-là parce que c'est très facile à produire et à diffuser. Donc le rock français, il est là, il est sous la terre, il est redevenu underground.
Vous écoutiez l'appel de Barcelone, les déconfinés parlent aux déconfinés. Le prochain épisode sera consacré aux enfants terribles, cancres et autres amateurs d'écoles buissonnières. En attendant, prenez soin de vous.